we better bring the plug. And make those leaders take the mud. We grab the wheels and we turn them round. One long pull and we're on hard ground. Tomorrow, 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 tomorrow. When I got west, the hills were steep. 'Twould make a tender person weep to hear me cuss and pop my whip. To see my oxen pulling slip. Tomorrow, 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 tomorrow. Hello, Captain speaking. C'est Loulou, Loulou, Loulou Taxi qui retourne dans le petit coin de paradis, du plus beau coin des Pyrénées. On se croirait dans les parcs nationaux des montagnes rocheuses en Amérique, où j'ai passé un hiver, printemps même, à dormir dans un van. Voilà. Et puis, on rencontrera ça une autre fois. Allez, hop. Alors, c'est toujours l'été indien. Ah oui, c'est bien là, l'été indien. Ah oui. Vive les Indiens ! Ah bah, ma carcon ! Non, mais c'est... Oui, on s'en fout de celui-là. Alors, donc sur l'été indien. Donc ici, la route est forestière. On peut venir à ce super coin. Tant qu'il n'y a pas plein de neige dessus, après on pourra plus. Alors on en profite. Ben oui, on vient là. Ben oui, voilà. Alors c'est quoi là? On est dimanche. Un dimanche là? Oui. Oh. Et les dimanches, moment coupant une tranche de tchatcho pomme. Raymond Wright, celui qui a fait la chanson Le jour de clarté. Voilà, c'est pour la liberté, tout ça. Ouais. Alors, c'est donc dimanche. Ah, un peu de vent. On filmera avec le micro et le canon. Alors là, il n'y a personne. Il n'y a personne, Gaston. Il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui répond. Enfin, bref, je veux dire, il n'y a personne. Mais pourquoi il n'y a personne? Il n'y a pas de promeneur et tout le dimanche? Ah, mais c'est Noël! Oh, ah oui, ils profitent pas de venir se promener. Ils sont en train de bouffer, dépenser tout leur pognon pour le repas de Noël, puis les petits cadeaux, puis tout. Et puis après la rentrée, ils vont se réveiller. Et ça va plus du tout, là, hein. La société où on vit, là. On n'a plus rien, on n'a plus d'argent. Ben non, bande de nouilles, vous avez tout dépensé pendant vos vacances, cornichons. Non, mais le QI des Frenchies, là, ça va pas. Alors, merci donc, là, à la petite Greta. Ah oui, merci Greta. Tu fais bien marcher tes canons H-A-A-R-P. Ça, c'est bien. Oh, que c'est bien, petite Greta. Parce que, oh là là, t'es en train de geler sur pied les Américaines. Les Américaines. Il gèle sous pied, même jusqu'en bas, jusqu'au Texas. Oui, oui, il se gèle complètement en concluant. Oh, ben alors. Ah, mais ça monte là, il faut reprendre le souffle un peu. Ah, guys. Donc, c'est le dimanche sans promeneur. Oui, très bien. Alors qu'il était indien, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient se balader, mais c'est pas grave.
ils sont en train de bouffer leur merde, les industriels, pour la préparer, puis tout. Bah, alors, c'est quoi aussi? Ah ben oui, jour de Noël. Ah, oui. Bon, alors, moi je regarde quand même, hein, pas tous les dimanches, tous les samedis, les reportages de Rémi Réservoir à PPS, que je conseille à tout le monde. D'accord. Bon, des fois, il va filmer l'autre, le popo, mais enfin bon. Écoute, il fait son boulot, il est reporter citoyen, hein, Rémi. Journaliste indépendant. Normal, faut tout couvrir. Ok. Alors, de plus en plus, tout le monde a remarqué, même dans le chat, que eh ben, le groupe des vrais gilets jaunes, les vrais, hein, qui restent à... Ah ben tant pis, c'est le dernier carré de Waterloo. Hein. Ils sont 50... ou des fois 30. Voilà, c'est les vrais. Les autres, c'est pas des vrais. Non, c'est des nounouilles, les autres. Ah non, les autres, c'est les bas de plafond qui sont dans le mood gauchiasse, comme on les appelle. Et puis, les autres, ils vont comme des moutons voir le Philippe, non pas Philippe, le Popo, là, Popo. Eh bien, c'est Popo. Popo, oui, c'est comme c'est du caca, popo, caca, popo, disent les petits enfants. Oui, pourquoi? Parce que popo comme politicard. Popo, politicard. Voilà. Bien l'extrême droite, sponsorisée par les loges de l'extrême droite. Mais les loges de l'extrême gauche sont les mêmes, de toute façon, vous inquiétez pas. C'est la même famille, les mêmes copains et les mêmes copines. Oui, qui mangent ensemble à la cantine, exactement, oui. Ah bah t'es remonté, capitaine, aujourd'hui. Non, ben bah, c'est Noël, il faut prier. Non, moi je prie pas, moi. La nature, il n'y a pas besoin de prier. La nature, elle prie pour toi. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors donc, dans le chat, disais-je, les gens qui regardent ça, bah, surtout ça, beaucoup des GJ, notre beau torrent, s'appelle la bruyante. Ah ben, tu fais du bruit, hein, la bruyante, oui, oui. Hein. Non, mais ils ont une imagination débordante, hein. Les locaux avec les noms qu'ils donnent. Oh là 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 là. Comme l'autre torrent, l'autre côté, ça s'appelle la barbouillère. Oh ben, mince. Ben oui, parce que celui qui a donné le nom de la barbouillère, il avait mangé trop de foie gras, tu comprends. Et puis de la graisse d'oie, je sais pourquoi. Elle était barbouillée. Elle a dit, ah oh ben je vais appeler le torrent la barbouillère. Voilà. Non mais, oui, toujours le QI très développé. Hein. Ah oui. Du nord au sud et du nord au midi, la trompette guerrière. Oui, 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 c'est fini la trompette guerrière. Terminé. Alors, où j'en étais? Ouf. Oui, alors. Donc, avec les vrais GJ de Paris, dans le chat, les autres Gigi qui sont sur leur fauteuil devant le récon disent ça devient de plus en plus spirituel, le mouvement des Gigi qui va revivre avec une petite graine qui va être très très spirituelle maintenant. Ah, c'est pour ça, écoutez bien tout ce que dit Jésus, gilet jaune, bon, qui reconnaît bien sûr, il est au courant de plein de choses, hein, que eh bien, le Jésus, Yeshua, avec un i devant. Oui, Yeshua. Il n'est pas né le 25 décembre, évidemment. Il est né au mois de janvier, quelque chose comme ça. Alors, c'est l'église satano-cato, ça va bien, hein, oui. Eh bien, qui a pris ça, qui a piqué ça. C'était une fête païenne, avec le sapin, avec... Santa, qui venait d'ailleurs de Nicolas, enfin bref, tout ça, ça a été repris, manipulé pour ramener les troupeaux dans le corral, quoi. Voilà. Non, mais ça va, il n'y a pas de vent ici. Sur notre super plateau, c'est tout bien. Oui. Alors, bon, oui. Finalement, c'est pas grave, puisque la conscience des humains sur la Terre, enfin, des humains terriens, à récupérer cette idée du jour de Noël liée avec
Issou, Christ. Bon, c'était un messager de l'énergie christique. Hein, c'est, voilà, c'était pas un dieu. Hein, il n'a jamais dit qu'il était dieu. Hein, voilà. Bon, alors, d'accord, du coup, Jésus Gilet jaune, il reparle toujours. Bon, bah, de cette super fête de Noël. Paix, fraternité, amour, etc. Ah oui. Oui, mais aussi dans les. Dans les messages un peu partout, on voit des gens qui disent « Oui, mais quand même, il y a des petits-enfants qui dorment dehors, là. Il y a des gens qui ont faim, qui dorment dehors. Ouais. » C'est bien, hein. Oui, puis pendant ce temps-là, il y en a qui font leur repas de Noël en famille. Et puis qui gueulent, parce qu'ils ne peuvent pas aller faire leur repas de Noël en famille, ils s'en foutent plein à la lampe. Hein, parce qu'il y a le train, il y a la grève des trains. Ils peuvent pas rejoindre leur famille. Ah, ils sont pas contents, là. Ah oui, ils vont descendre dans la rue, ils vont se battre, hein, là. Ah oui, oui, là, ils sont capables de faire ça. Bon, capitaine, on est dans un endroit super, ici. On s'énerve pas, ici. Non, on est calme, ici. Allez, on va faire notre petit pique-nique, ici. Il fait tellement bon en température, j'ai pas la mesure température, là, qu'il n'y a même pas besoin de faire de feu. Alors, le feu, on le laissera... voilà, il est là. Pour le printemps, voilà. Ah oui, c'était il y a deux jours, là. Le photographe animalier qui a vu plein d'animaux ici, hein. Et bien plus haut, là-haut, derrière moi, là-haut, au super trois étangs, là, étang bleu, l'étang noir, l'étang vert, dans ce coin là-haut, et bien il a vu des traces de loups par terre, parce que le photographe animalier doit être capable de reconnaître les traces des animaux. Voilà. Allez, on s'installe un petit peu, là, profiter de l'éternité. Tout seul, c'est bien, moi, je suis tout seul, je suis seul humain. Alors les petits, les grands animaux, venez me voir, il n'y a pas d'humains. Les humains couillants, ils sont enfermés chez eux. Ils s'enferment tout seuls, devant leur dinde. Leur dinde? Oh non, arrêtez. Mike, le S-Ranger. Oh, c'est dingue, ça, c'est dingue. Alors, dans ces podcasts-là, qu'il fait tous les jours, hein, vidéos, tout ça. Alors, ce qui se passe à l'Amérique, c'est que les autorités satanitaires, hein, ouais, c'est ça, on font des tests, oui, sur les humains, mais oui, les tests dans le cucu, non, je sais pas encore, mais ça va venir. Non, les tests sur les animaux de ferme, oui, ouais, les poulets. Alors, ils vont tester... un poulet, avec un test qui ne marche pas, hein, qui est du bidon, là, comme pour les humains. Et puis ils vont dire, oh mais le poulet, il est infecté de quelque chose. Alors que le poulet, il est parfaitement en bonne santé, hein, c'est pas la situation. Alors, monsieur le fermier, il faut détruire tous les poulets, là. Allez, il y a 50 000 poulets, là, il faut les tuer tous, allez, on les tue tous. Et puis, il tue aussi les élevages de dinde et tout le bazar. Parce que ça, c'est pour refaire la famine. Pour qu'il ne puisse rien manger dans les magasins, voilà. Alors, les Américains qui se gèlent les roupignoles en ce moment, eh bien, ils n'ont même pas de dindes à manger, d'ivoire. Ouais, parce que ils ont tous les poulets et les dindes sont tous tués. Oui, comme ça, parce que, voilà, on tue tout le monde sur la planète, voilà. Ah mince, alors. Oh, puis il n'y a plus d'œufs non plus. Oh, les œufs, alors, je ne sais plus, c'est 4,5 $. Pour un paquet d'œufs, c'est une horreur. Il n'y a plus d'œufs, bien sûr, parce qu'ils tuent tous les poulets. Ah non, mais c'est rigolo, l'Américain. Oui, oui. Alors, ils sont si couillons que les Français, des fois, oui. Attendez, moi, je m'installe. On profite. À plus. Ah, mais c'est pas mal, hein, la vue comme ça. C'est pas la vue panoramique, mais c'est la vue en contre-plongée. Non, non, on n'est pas au bord de la mer. Non, contre-plongée. Oui, c'est rigolo, ça. On utilisera ça un petit peu, oui. Non, mais le loup, il a envie de rigoler aujourd'hui, de jouer. Oui, ben oui, bien sûr. Et ça va tellement pas. C'est tellement le bazar. Et même que moi, j'étais gilet jaune, frigo vide, congélateur vide depuis le 15. Heureusement, j'ai un bon fan de ma chaîne qui m'a envoyé un peu de sous pour pouvoir manger hier soir. Alors, soir. Alors, j'ai mangé quelque chose quand même. Et puis voilà, et puis un petit cadeau pour ma troupe de chats, voilà. Alors merci à mon fan là, hein, Gilles, merci, top niveau Mike,
si j'en avais beaucoup des comme ça. Top niveau. Allez, on fait le pique-nique. Dominique, nique, nique. Oh non, arrête de déconner, capitaine, loup. Non, mais c'est pareil, c'est encore un fumage dingue, ça. Vous vous rappelez plus? Sœur sourire. Dominique, nique, nique, la 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 la. Elle avait écrit une chanson, oui, sur Dominique, nique, nique. Quoi, une bonne sœur qui dit nique, nique. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Eh bien, plagiat. Voilà. Comme ceux qui ont pompé sur mes livres et qui ont fait des faux channeling avec Achetard. Oui, elle se reconnaît? Oui, tu te reconnais. Oui, oui. Et voilà. Alors. Ah non, mais il faut rigoler là. Oui, alors Dominique Nique Nique de se ressourire. Elle a piqué une chanson de folklore américain. Hein, qui est une histoire de train qui avait crashé, etc. Qui avait été écrite par quelqu'un. C'est exactement la musique. Elle nous a fait croire. Elle a déposé ça, hein, elle a sa SACEM et tout. Hein. C'est elle qui a écrit la musique et la chanson. C'est une pompeuse. Celle qui chante Nique Nique, c'est une pompeuse. Sans faire de jeu de mots. Hein. Non, non. Voilà, tu pompes, tu es une plagiste, tu as fait du plagiat, voilà, sur une chanson américaine, du folklore américain. Ouais, bravo, ouais. C'est rigolo, ouais. Oui, oui. Allez, à plus, là. Dans la nature, on observe, parce que la nature, elle nous apprend, elle nous enseigne. C'est la formation survie de la nature. Dans la nature, on observe et on voit des tas de petites écorces, de pignes, de pins, de sapins et tout ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'il faut lever le nez et regarder plus haut. Voilà. Et on voit ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit un arbre creux. Voilà, avec là-haut, on voit bien. Là-haut. Alors voilà. Alors, tic et tac. Et vous êtes là, tic et tac. Les deux écureuils, tic et tac. Ils sont là-dedans. Et on voit bien l'arbre, le creux, jusque je ne sais pas où. Complètement creux. Donc ils ont dû fabriquer leur chambre, leur stockage là-dedans. Voilà, c'est super. Et ça, c'est la maison des écureuils. Dans mon HLM. Ah oui. Eh bien oui, parce qu'il y a même les caves du HLM, là, voilà, et voilà, il y a la cave du HLM, voilà, et tu sais là où tu ranges les mopettes et les vélos. Alors, les écureuils, ils sortent de là, et puis ils mangent les pignes, et voilà. Non, mais on est loin des cages à lapins et de l'enfer des archons ici, de la nature normal dans la vraie vie, parce qu'ici c'est la vie ici, et voilà, ici c'est mieux que dans les églises, parce que c'est une église naturelle, ça c'est la cathédrale, regardez les piliers de la cathédrale. Ici il n'y a pas besoin de chanter mini, non, on sait déjà, ah oui, midi chrétien, non, c'est pas la peine. Tu viens là, tu es dans l'église naturelle divine ici, là. Et tu n'as pas besoin d'aller dans les trucs d'enfumage de religion. C'est pas la peine. Voilà, c'est ça la vraie nature. Right. Le loup est monté jusque-là, où on t'a vu des traces de loup ici. Par un photographe animalier rencontré il y a 2 jours, et là ça c'est une super balade qui s'appelle les lacs des Rabassols dans le Donaisan Ariège. Voilà, super balade ici que normalement on ne devait pas pouvoir faire parce que là il faut les raquettes. Pour continuer, il faut plus ou moins des raquettes. Voilà, des snow boots spéciales. Voilà. Et ben, Captain vous a emmené faire une petite virée. Oui, oui.
une virée sur les monts près du ciel. Voilà, puisque de toute façon, avec le côté indien, le ski pas possible. Alors ici, on pouvait venir à pied. Voilà, petite balade en ce jour de Noël. Voilà, il est né le divin enfant. T'arrêtes tes grouneries, capitaine. Faut pas mélanger torchon qui serviette. Ah bah tant pis, hein, si y a des cathos qui sont pas contents, c'est pareil. Revoyez un peu ce que c'est que la véritable histoire de votre église là. Lisez le livre de Paul Ponceau, l'église du diable. Voilà. Alors ça vous fera du bien. Demandez-le hein, à quelqu'un, une petite librairie, ils vont se fouiller pour le trouver. Voilà. Bah ben voilà. Le loup, le capitaine, il vous emmène dans des belles virées ici. Voilà. Oui, ben on fait la promotion du Donaison là. Oui. C'est le petit Canada ici. Oui, on se croirait du côté de Banff au Canada, où j'ai été bien sûr, j'ai été partout, dans Turtle Island, continent nord-américain. Voilà, il n'y a pas de vent en plus, on est bien là. Bon ben on reste un peu là, on va voir si jamais le loup qui se balade là, il vient nous voir. Allez, le loup vous dit salut bien, voilà. C'est quoi ça? Captain Loul, là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la panthère. La panthère. La panthère. Le chien Sheila, c'est ça. La panthère. Panthère. Elle criait, moi, quand j'étais dans mon mobilhome à l'Arkansas. La nuit, elle criait, tout ça. Des fois le soir, elle venait prendre ma voiture, puis je voyais ses gros yeux ronds là. Puis elle regardait, reculait, regardait, voilà tout ça. Une panthère noire, voilà. Pas complètement copine, mais enfin voisine, ma voisine, t'es une panthère noire. Voilà. La panthère, voilà. Non mais capitaine, ça va. Alors ça y est, là, on se repose un peu. Je vous ai emmené montrer la. Le plateau des Rabassols, dont on voit des belles montagnes, et avant d'arriver au fameux lac, lac bleu, lac noir, lac vert, etc. etc. Voilà. Hein? Je vous fais visiter quand même. Ah bah, oh! Ah, c'était pas beau le coin de paradis. Alors, je vous ai parlé avant de Paul Ponceau. Écrit le livre L'église du diable. Alors, référence, vous retrouvez Paul Ponceau invité dans l'émission de Bob vous dit toute la vérité. Bluebeam. Bob vous dit toute la vérité. Bluebeam. YouTube. On va vérifier qu'il est toujours. Hein. J'ai toujours, on la mettra là. Voilà. Donc, Bob avait invité Paul Ponceau qui a causé après Rock Soccer. Et le sujet, il a expliqué son livre, mais le sujet c'était le plan actuel, hein, agenda 2020, 2022, 2025, 2030, tout ça. C'est bien super expliqué dans cette émission. Elle dure longtemps, vous passez le début parce que c'est pas géant tous les. Les graphes qu'ils ont mis là, c'est pas top niveau. Oh, il faut regarder ça, c'est bien. Ah ben voilà. Ah oui. Alors ça, c'est Tic et Tac, hein, qui prennent des pignes de pin ou de sapin. Il y a des pignes de pin quand même. Et puis ils sont là. Puis ils mangent les petits pignons. Et voilà. Et Tic et Tac, ils sont dans le arbre là. Voilà. Oui, un petit arbre derrière chez moi, oui. Dans le petit bois derrière chez moi. Donc on finissait avec Paul Ponceau. Alors, donc oui, regardez donc cette émission de radio de Bob, vous dites toute la vérité. Et c'est le fameux Bluebeam avec les projections holographiques, projections, qui sont faites dans le ciel. Comment? Eh bien, pareil que nous, dans le temps, quand on faisait des conférences, j'ai eu fait avec des projections de diapositives et on projetait sur un écran. Alors l'écran, là, c'est le ciel maintenant, parce que là, il y a un couvercle, là.
Bah, vous le voyez tout le temps, le couvercle. Un bon couvercle chimique. Couvercle chimique. Il faut que tout soit chimique aujourd'hui. Alors, couvercle chimique sur lequel on peut projeter donc des diapositives comme nous on faisait dans le temps, pareil. Alors là, c'est des diapositives animées. Hein. Par exemple, il y a des essais avec le Christ vivant. Non, parce qu'il y a le Christ mort, puis il y a le Christ vivant, des fois. C'est pas la même chose. Pas du pareil au même. Le Christ vivant de Rio de Janeiro, Copacabana, voilà. Et qui est là, comme ça, là, voilà, comme ça. Et on trouve sur YouTube des essais de projection holographique Blue Beam, des essais de Blue Beam, et ils montrent, ils ont fait le Christ de Rio de Janeiro qui fait comme ça. Laissez venir à moi les petits enfants, tout ça, voilà, voilà. Alors il y a eu des essais déjà, hein, de Blue Beam, d'apparition donc de la Vierge en Côte d'Ivoire, où tous les Ivoiriens sont là. La Vierge Marie, c'est un Blue Beam ça, voilà. Et puis il y a des Blue Beam avec Jésus, puis une croix, puis tout. Ah, ça va arriver bientôt là, oui. Il peut faire des Blue Beam sur volant. Oui, pas de problème, no problemo Mike, voilà. Alors je vous ai donné des infos là. Mais vous cherchez hein, le livre de Paul Ponceau, hein. Vous cherchez hein. Paul Ponceau, P-O-N-S-O-T, l'église du diable, vous trouverez, hein. Cherchez, vous trouverez, hein. Parce que moi je vous donne beaucoup de choses à la petite cuillère, mais la petite cuillère, quand même, dites voir la petite cuillère. J'ai fait beaucoup de petites cuillères, hein, moi, depuis 4 ans, 5 ans que la chaîne a démarré, là, puis que maintenant il y en a une autre, celle du loup, là. Non, mais la petite cuillère, ça va bien, hein. Oh oui, allez, une petite cuillère pour papa, une petite cuillère pour maman, voilà, bien. Et puis maintenant, ça a un peu changé, c'est un peu différent aujourd'hui, parce que on est dans un autre monde, quoi, on est dans le meilleur des mondes, là, hein. Regardez le film avec Leonard Nimoy, celui qui fait Spock, là, il joue Big Brother dans Le Meilleur des Mondes, super film à voir, quoi. Voilà, alors c'était, oui, bon, mais moi, ça va comme ça, de donner la petite cuillère, hein. Faites vos recherches vous-même, hein. Ça, alors, oui, alors maintenant, ça a changé, c'est, allez, une cuillère pour papa numéro 1, une cuillère pour papa numéro 2, voilà. Il n'y a pas de maman. Non, c'est papa. Et puis aussi, dans l'appartement parisien d'à côté. Allez, une cuillère pour maman numéro 1. Et puis une cuillère pour maman numéro 2. Voilà. Il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa. Pourquoi tu as fait écouter la chanson, là? C'était un pauvre gosse qui s'appelait Armand, l'avait pas de papa, l'avait pas de maman. Oui, non, mais il n'y a pas de papa. Non, il n'y a pas de papa. Oh bah non, mais je veux un papa, moi. Oh bah oui, je suis garçon, mais tu veux un papa, mais je dis garçon, tu veux un papa, voilà. Oui, non, mais t'es un garçon, mais tu veux pas devenir une fille par hasard? Ah bon, je peux? Ah bah oui. Ah, on peut? Ben oui. On te prend rendez-vous, la chirurgie, on t'enlève ton petit zizi, là, et puis tu vas devenir une fille. Oh, je peux faire ça? Oui. Oh, ah ben là. Ah, mais ça c'est bien alors. Comme ça, il n'y aura plus de bagarre avec les autres garçons dans la cour de l'école. Et puis moi, je pourrai jouer à la poupée. Voilà. Et puis... oui, on t'achètera une maison de poupée, voilà. Oui, mais j'ai mis mon camion de pompier. Allez. Si t'es une fille, tu n'auras plus au camion de pompier. Mais moi, quand je suis grand, je veux être pompier. Oui, mais tu pourras être pompière. C'est quoi ça? Pompière, c'est... Il y a des filles chez les pompiers aussi. Tu pourras être une fille pompier, voilà. Ah bon? Oui, je veux être une fille chez les pompiers. Oui, bon. Alors, c'est quoi le drapeau que vous avez là?
qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Moi, je sais lire, hein, moi, je suis un grand garçon, je sais lire. Oui, même quand je serai une fille, je saurai lire aussi. LGBT. Ah, pardon, LGBT. J'ai bien lu, t'as bien lu, t'as des bons yeux. C'est quoi ça? T'occupes. On t'expliquera plus tard, quand tu deviendras une LGBT, on t'expliquera tout, tu verras, ce sera bien. Ah bon? Oui, je veux tout ça, voilà. C'est un sketch, mais dans le film avec Leonard Nimoy qui fait le Big Brother, le meilleur des mondes, et bien, les enfants sont cultivés dans des éprouvettes. Il n'y a plus besoin de popo, il n'y a plus besoin de maman. Pauvre Armand, ben non. Donc c'est bien exactement ce qu'on est en train de nous préparer en ce moment, avec les fameux LGBT, voilà, hein, voilà. Ça y est, Captain, t'as fini ton délire là? Oui, mais j'ai envie de faire du délire aujourd'hui, moi, si vous voulez que je vous dise. Oui, mais c'est un jour saint aussi, on ne délire pas les jours saints. Et pourquoi? Et pourquoi? Un jour saint, la naissance du petit bébé Jésus. C'est la joie quand même. La joie qui est venue dans le monde, tout, la pureté, la lumière du monde. C'est la joie. Et quand on est joyeux, bah, on peut rigoler quand même. On peut faire des rigolades, comme les Gaulois là. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Oui, ben les gens, le ciel, il va vous tomber sur la tête. Ah, dépêchez-vous de vous bouger. Vos petites fesses et de venir dans les montagnes chez les loups et les ours. Voilà. Allez, le sketch d'aujourd'hui, c'était des sketchs comme Fernand. Oui, j'aime bien faire des sketchs comme Fernand. Voilà. J'aime bien Fernand. C'est très bien. Super intelligent, Fernand. Voilà, vive Fernand. Voilà. Bon, ben, ça termine la vidéo aujourd'hui des virées du loup de Noël indien. Noël indien. Oui, c'est ça, Noël indien. Salut, le loup vous dit à bientôt.